était sur place. Vas-y, go, go, go. On est en goal point. Voilà, tu nous rappelles. Voilà, tu nous rappelles. Alerte du... un hélico de l'hypothèse a mis en danger et personne ne vient. Ok. Donc on fait mine. Ouais, de lancer un appel. Alors, je vois la station 23 sur 24. Voyez-moi la position. Ouais, je te remercie. Hein. C'est cool. C'est qui? Ah, excusez-moi, c'est vous qui appelez là les avocats, c'est ouais, ça? Ouais, c'est moi l'avocat, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vous avez vu là? Regardez, bah rien, il y a le médecin là. Bon, déjà il est parti au courant, je pense, à mon avis, il veut pas assumer tout ça. Je pensais ça, mais regardez, il m'a amené en hélicoptère, c'est l'hélicoptère de l'hôpital, parce que j'étais dans la montagne, j'ai eu un petit accident. Ouais. Vous avez vu, c'est dangereux là, c'est genre il m'amène avec un truc, bah, regardez, il a vu. Sur les nerfs, je suis au mental. Ah, très bien, on va monter un dossier très solide là. Parce que on est tous là des témoins. Plus vous, et c'est vous qui, bah, qui étiez le plus choqué. Et le taxi là, tu l'as vu le taxi aussi là? Le taxi, je l'ai pas vu, il m'a échappé. Ah ouais? Ah ouais, j'ai vu que l'ambulancier, c'est lui le responsable de cette. Ouais. De ce bordel, de tout ce bordel. Tu auras ta carte à monsieur et tu diras que pour la t'as vu un peu, regarde, il a tout fracassé à l'avant. Je l'a posé, je sais pas si elle l'a posé parce que c'était dangereux ou quoi. Mais le type, à mon avis, il a pas eu son brevet de pilote. Ouais, et moi j'avais peur parce que. Moi j'avais peur parce que vu l'endroit, je me suis dit c'était chelou. J'ai dit à mon équipe. Mais c'est pas c'est quoi en fait avec cet hélico là? Mais là j'ai positionné des snipers et j'ai tout est en place pour la sécurité, voilà. Ah ouais, ouais, même vous êtes en sécurité, voilà. Bah ça c'est bien. Et là il est en train de raconter une histoire, j'ai l'impression. Ben là c'est l'expérience. Là il fait un livre. C'est l'expérience. Voilà. Il fait un livre, là il écrit un livre. C'est juste pour que vous ne soyez pas choqué de voir tous ces armes là et tout. Et comme ça là, à vue de nez, tu crois on peut se faire combien là? Ah franchement, là, je peux rien vous dire là, au pif on peut faire dans les 200 000 là. Dans les 200 000, c'est nickel ça. Ah, 200 000, c'est une grosse somme quand même. Hein. Excusez-moi. Tu dis qu'on verra ça au bureau. Là, c'est pas c'est ici qu'on parle de tout comme ça. Son dossier, on le fera au bureau, au calme. Là, on prend juste les infos, on prend les photos. Attends. C'est pas qu'on traîne trop ici, là. Ça pue. Comment? Parce qu'après, c'est expliqué, c'est une mafia. Ouais, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? En fait, j'étais en train de me balader là sur le Mont Chiliad, tu vois, avec ma petite bécane, normale. Ça et puis à un moment donné je sais pas tu vois genre j'ai fait le fou, j'ai vu un truc bon on va pas se mentir mon frère, moi tu sais j'ai un peu fêlé là-haut, j'ai vu la grosse bosse, j'ai dit vas-y je fonce tu vois et je me suis mal rattrapé, bref j'ai préféré pas bouger. Ouais, ah c'est pas moi qui parle. Ouais, j'ai préféré tu vois genre attendre tu vois les secours et tout, du coup j'ai appelé, l'autre il est venu avec son hélicoptère, tout le machin, tout ça. Et là je vois quoi, je vois l'autre il arrive avec son hélicoptère déjà il fume. J'ai dit ah, c'est normal ton truc qui fume ou quoi? Ouais t'inquiète ça va, il décolle, tu fais un sale bruit ton machin tu vois. C'est qui est venu te chercher avec cet hélicoptère? C'est l'ambulancier. Je sais pas là, c'est un ambulancier là, apparemment on veut pas trop. Excusez-moi monsieur, monsieur je me permets de vous couper mais par mesure de sécurité on pourrait pas vous amener au bureau pour faire le dossier là-bas? Exactement, j'allais Ah bah si vous avez tout ce qu'il vous faut, ouais y a pas de problème hein. Ça vous dérange pas, excusez-moi, on dégage à part l'avocat. Les gars, ils montent avec moi, dans ma courroie. Je te disais, en fait, l'ambulancier là, il est dans le hélicoptère. Dégage, Asile, tu dégages, Igor, on dégage. Putain, chiant le truc, tu vois. King, on dégage. C'est bizarre, ton hélicoptère là, il. Y'a pas de soucis. Un sale bruit, tu vois. Il dit, apparemment, on a un problème, on va peut-être devoir se poser en urgence. Bon, vas-y, pose-toi, tu peux me faire chier. On va vous déposer. Et là, mon frère, j'ai dit direct. Direct, j'ai dit quoi? J'ai dit, montez dans ma voiture. Venez là, la première voiture. La première, voilà. La première. Voilà, montez avec lui, il va vous emmener avec nous. Ah ouais, tu vois, moi j'ai dit. Là, on va au bureau, les gars. Vous allez passer au commissariat avec monsieur pour déposer sa plainte, c'est ça qu'il veut faire, il veut déposer plainte. D'abord ouvrir le dossier en fait, il faut d'abord qu'il aille au dossier parce qu'ils l'ont pas encore fait. Donc il faut l'amener au bureau pour faire le dossier. Je l'aurais coupé directement par mesure de sécurité, t'imagines il y a un gang qui arrive juste pour nous racketter, j'ai pas envie de rentrer dans un fight. Donc ouais, passer au bureau, voilà, vous posez au bureau pour savoir pourquoi il veut porter plainte, les raisons, tout ça. Tu montes le dossier quand c'est fait.
On a tout raconté là. Bah quand c'est fait, tu vas avec lui au, au commissariat pour déposer la plainte. C'est qui lui ? Ah ok, vas-y. Mais si t'as, si t'as assez d'éléments là, tu vas directement au commissariat. On a assez d'éléments. Pacho, dis que tu vas directement au commissariat. Alors, va directement au commissariat avec le client. Tu prends une position sniper, Jack ? Non, non, au commissariat, si tu veux te faire plaisir, ouais. Ouais, je vais te faire plaisir. Ok. Ah, il y a un mec en 4x4 là ouais, qui vient ouais, de passer. Ouais, 4x4 noir qui arrive à fond sur vous, 4x4 noir, protégé. 4x4 noir qui arrive à fond sur vous, faites gaffe. Mercedes. Mercedes noir. Par contre, on n'est pas des policiers, ne l'oubliez pas. Il s'est arrêté là. Ouais, ouais. Ok. On va directement au comico là. Vous, vous allez au comico, on va vous rejoindre au comico, des choses que tu peux voir. Ah, si, ouais, le voilà, ouais. On lâche pas. Préparez-vous à un fight, les gars. On sait jamais ce qu'il peut faire, c'est un fight. Continue à le suivre. Je te dis, il y a un 4x4 qui arrive à toute vitesse, tu me dis ouais, pas. Ouais, il y a un 4x4 qui arrive à toute vitesse. Ouais, faites hein. Gaffe, les gars, c'est bon, là, c'était un piège tout ça. Donc restez concentrés. Pacho, t'as dit au client qu'on allait au commissariat ? Vous allez au commissariat. Non, non, je lui ai dit bêche pas, et t'as dit au bureau, donc c'est la bonne. Ouais, mais c'est Jack qui avait dit qu'on allait changer avec vous adjacent. C'est bon, on a dit comico. Ok, comico. C'est Yakuza, Jack. Il va entrer dans la truc bien. Ok, on les rejoint au commissariat. Ah, mais on fait ce qu'on peut, monsieur. Il y a une ambiance là, en abandonné. Il y a des frises là. Ah non, pour moi c'est nickel. Oh putain, le cortège il est magnifique là. Oh putain de vue. Ah, donc, tranquille, monsieur, avec vos propos, s'il vous plaît. Donc, au comico, tu prends une belle position de snipe. Et si le monsieur il est mal poli ou quoi que ce soit, vous le larguez au commissariat, il se démerde tout seul. Hein. Nous, on n'est pas policier, on n'est pas médecin, on n'est pas assistante sociale. Hein. On est là pour sa plainte. Qu'on soit bien clair. Hein. Monsieur, c'est Kali. Hein. Il a vu la puissance. C'est qui là qui a porté plainte, Jack ? Normalement, il fait Mahmoud. Normalement, il s'appelle Mahmoud ou je sais pas quoi là. Ou Bouloud ou je sais plus quoi, je te le dis. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ok, ok, il y a quelqu'un qui nous a doublé là. Ah là, là ça c'est Jack. Moi je suis arrivé. C'est qui eux ? On va pour le comico alors. On va au comico. Oui. Doucement derrière. Je suis là. Ah, c'est. Non, c'est pas moi. C'est King. Non. Jack, après, gros, tu peux passer 1000 dollars s'il te plaît ? Parce que là, j'ai pas d'argent pour mettre. Ah, monsieur pas, achète autant de snipe, mais monsieur n'a plus d'argent. Ah, ouais, monsieur, il allons-y. Y en fait. Go, go. Putain. Vas-y, les gars, je peux pas partir. Eh, hey, mais désolé, c'est cette connasse là. Je te jure, j'allais descendre, lui faire bouffer son volant à cette conne. Vas-y, t'arrêtes plus là, vas-y. Pacho, vas-y, fonce. Allez-y, les gars, suivez-moi. Y'a quelqu'un en moto là. Pacho, tu m'entends ? T'arrêtes pas parce qu'on est potentiellement poursuivi par des mecs. Donc là, on est pas bon là, vas-y, accélère. Tu m'entends pas. Tu m'entends pas, Pacho. Explose-lui la tête, je peux pas comprendre. Il est où, Pacho ? Il est pas en radio là ? Pacho, tu peux accélérer là. Ouais, m'entend pas. C'est pour ça que j'aime pas que okay, on y va, quand vous êtes ouais. Plus à la radio. Là. C'est qui le client, le client il est le client, il est où là ? Avec Pacho, avec Pacho. Et là, on est dans la merde s'il est pas dans la radio. Pacho, tu m'entends ? Non, j'entends pas. Prends la position snipe pour un comico, Jack. Non, non, reste dans le véhicule, reste dans le véhicule, je veux que personne descende du véhicule. Remonte dans le véhicule, King. Je veux qu'on se fasse. Remonte dans le véhicule. Qui ? C'est bon, c'est moi qui conduis. Vous me dites quand vous arrivez tout près de l'intervalle. Ouais, mais vous êtes trop loin, t'aurais dû rester avec nous. Bah ouais, mais moi je croyais que vous me suiviez. Je vous voyais tracer en même temps que moi, donc moi je vous dis, bah j'y vais. Pas de soucis. Ok, pas de soucis, ok.
Vous êtes où là? On arrive. Ah, vous allez arriver tout près du garage. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon, je vous vois. Vas-y, Pacho, faut accélérer là. Là, on en j'ai même la matrice à me l'enculer. Vas-y, Pacho, vas-y. C'est bon, montez. Ouais, écoutez, monsieur, on va voir. Vas-y, montez. Vas-y, go, Jack. Il faut rester sur la radio, là, les gars. Oui, bien sûr. Reste. Laisse pas une voiture s'intercaler entre toi et lui. Il est où le type qu'il faut amener au Comico? Dans la Kuruma. Alors, j'ai un bon visuel sur le Comico, les gars. Putain, les frises qu'il y a sur 5M. Les gars, il y a la voiture de Mike ou c'est pas qui d'IA. Il est près du Comico. Ok, y a pas de problème. Tu vas avancer avant nous. Tu les vends au Comico pour voir ce qui se passe. D'accord. Ok. Oh putain, les frises, qu'est-ce qui se passe là? Essaye de rester sur le parking du Comico, Igor. Oh, comme ça, je peux te couvrir en train. Oh, ce freeze, hein. Pire. Oh, y'a. Vous aussi, vous avez des frises? Non. C'est serveur, je pense. Oui. Rien à signaler sur le parking, il y a personne. Comment ça se passe? Il y a tous les flics ici et ils ne voulaient pas répondre tout à l'heure. Hein, si je parle trop. Et il y avait des risques là, il y avait des mecs. Bonjour monsieur. Bonjour. Mets-toi la piqûre. Et enchanté. C'est vous là qui allez me faire gagner du pognon, c'est ça? Ouais, c'est nous. Oh. C'est nous. Nous, c'est bien, on n'est pas riches. Hein. Si quelqu'un nous fait gagner du pognon, c'est le LSPD. Voilà. Après. Les gars, vous pouvez rester dehors, les gars. Maître Floyd, je vous laisse faire le dépôt de plainte. Ah ouais. Vous pouvez rester dehors, les gars. Salut. Je vois ta voiture, Igor. Bonsoir. Pourquoi vous avez les mains en l'air, le... J'ai envie de ta voiture. Ah, c'est la merde, c'est un gage, ça. Je vais faire une cigarette. Tu veux pas couper ton micro, Zap, quand tu parles sur un jeu? Tu mets un push to talk avec vos collègues. Ouais, même push to talk. Comme ça, t'appuies sur une touche. Il y a un gars là, derrière le poteau, je le vois. Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, approchez-vous. Vous avez pas vu la façade? Approchez-vous, les gars. Ah non, on a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les sirènes, les gars. Mettez-vous à couvert. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi? Vous voyez pas que la façade est criblée de balles là? Et bah, moi, ah, je ouais, vous le dis, la façade. Il y a peut-être un ou deux impacts de cailloux, ouais. Ah, j'avais pas vu, c'était des. Oh là là. Bah, moi, je vous le dis, la façade est criblée de balles. Il y a quelqu'un dedans. Je le vois, il est. Il s'est passé quelque chose. Ok, on dégage. On va au bureau. Viens, monsieur, avec nous. Bien sûr. Je sais pas s'ils sont en train de se faire prendre en otage dans ce commissariat, mais. Viens avec nous, monsieur, viens avec nous. Monsieur l'agent, viens avec nous là. Ouais, je vous suis, monsieur. Ouais, vous allez monter avec nous, monsieur l'agent. Pourquoi tu as pris l'agent aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'il a, l'agent? Ouais, je sais qu'est-ce qu'il y a. Mais pourquoi tu prends l'agent? Ouais, tu vas savoir pourquoi. Ok, dis-lui de monter avec moi dans la voiture. Il y a 60 kilos, t'es bonne, je suis sûr. Mais attends, on est tous armés légalement, tu vas pas nous ramener le commissariat. Mais ne sortez pas les armes. Ok, on est. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors qu'est-ce qui se passe? Venez avec moi, monsieur. Je suis lequel d'entre vous? Ouais. Vous là? Bougez, ouais. Je suis. Ouais, venez.
Okay, ah, parce que là, je vois que... Putain, j'ai perdu les clés encore. Go bureau. Go bureau, go. On a l'autorisation de partir en courant, là, en urgence. Ah ouais, c'est un délire. La porte, elle est bloquée. Il y a un problème, cette porte. Ah ouais, ouais. On peut avoir un combat rapide ou pas, là, de l'autorisation? Vous avez quoi? Ah, vas-y, essaye. On est en urgence, là, parce que ça urge. Ah ouais, je vais faire un truc comme ça. Question de griller les feux rouges et tout. Go. C'est vraiment moi qui décide. Okay. Go, go, on go, y go, va go. Les gars, convoi rapide. Formation convoi rapide. Non, vous criez pas les feux rouges. Ah, je crois que tu nous disais go, go, go. Ah, ouais. Ah, je vois. Bon, je parce que là, c'est votre vie qui est en jeu. C'est pas que je vous menace, mais on vous sauve là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Demandez ce qui se passe au commissariat. Par contre, on passe en code rouge, monsieur, parce que là, apparemment, il y a un problème. J'enlève mon oreillette. Ah, Zach. Il y avait un problème au Comico? Attends, ouais, ouais, il y avait un problème là. Voilà. Voilà, Coleman, ça va? Vous avez rien, Coleman? Ça va, ça va. Et alors, je sais pas si les personnes qui étaient dans le commissariat vont bien ou pas. Ouais, je voulais vous sauver parce que j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de louche là. J'ai pris la... Apparemment, il y avait quelque chose de louche au Comico là. J'ai pris la décision de protéger la vie des citoyens et... Ouais, c'est ce dépotage là. Attendez, les gars. Désolé. Et... Putain, heureusement que je vous ai sauvé là. Zach Floyd, s'il te plaît, après ajoute une touche pour couper ta radio. Je ne saurais vous dire. Ouais, parce que j'ai vu, hein. J'ai vu. Attends, on va monter au bureau et on va parler là. Par le garage. Go, garage. Sortez pas vos armes, les gars. Ouais, pas d'armes, c'est bon, on est en sécurité. J'imagine qu'on va parler plus de 3 minutes. Garilé. Oh, Hakaigaro. Donc, King, okay. Tu es en haut. Viens avec nous. Tu bloques l'entrée, hein. Y'a personne qui rentre. J'aimerais qu'on s'arrête tout de suite. Même s'il faut mettre deux mecs à l'entrée, mais forcément. Dans le bureau, mais c'est le premier. Vas-y, on va monter. Ah, moi je te suis, t'embête pas. Putain, j'ai su directement qu'il est. Il a parlé de balle et tout. Et je pense que c'était Zino. Bonjour monsieur Coleman. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce commissariat? Bonjour monsieur. Alors. Zach, prends le client. Prends le client déjà pour commencer la procédure. Ouais. Venez avec moi monsieur. Avec moi monsieur Coleman. Avec monsieur la piqûre. Je suis qui du coup? Voilà. Monsieur la piqûre ici. Hop. Là, je vous fais un petit café. Voilà. Et là, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé ou pas? Alors, monsieur Coleman, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Commissariat là? Ouais. Ah, j'en sais rien du tout, mon frère. Il dit qu'il y avait genre des impacts de balles. Moi, j'ai vu vite fait 2-3. On aurait plus dit des cailloux qui ont été jetés ou j'en sais rien, mais. Ah, bah voilà, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe au Comico là. Au Comico, il y a une prise d'otage. Tu vois? Ah, carrément, mon frère, une prise d'otage. Une prise d'otage, ouais. Dans le Comico. Exactement, et je sais pas, peut-être que c'est moi qui voulais, tu vois. Et j'ai vu un mec. Préparez vos armes pour tirer, mais sortez pas vos armes maintenant. Ouais. Ouais. Là, il y a eu quelqu'un caché derrière le mur et il tenait même le policier en otage. Donc, ce que j'ai fait. Le policier qu'on a ramené avec nous là, mon frère. Exactement, on vient de le sauver là. Ah ouais. Ah, le sale plan. Voilà. Donc voilà, on a fait notre boulot et qu'est-ce qu'on trouve au Comico? On trouve une prise d'otage. Donc on voulait déposer une plainte. Ah, je suis choqué. Et voilà, ouais. Donc monsieur la piqûre, il va nous dire qu'est-ce qu'il en est, voilà. Parce que là j'ai compris tout seul qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu le même. Ouais, voilà. J'ai vu le mec, ah ouais, il moi, était frère, caché derrière la ligne. J'ai rien compris, moi. Et vous pouvez vous installer ici, ben, attendez-nous. Parce que là... Ah ouais, bah, je vais rester debout, hein, t'inquiète. Putain, la vache, t'as une vue, mon frère, c'est ouf.
Il y a un comptoir là-bas, oh là si vous voulez boire un petit whisky et tout, ben servez-vous. Oh là 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 là, putain la vache. Donc Puck, tu peux couper ta radio s'il te plaît. Je peux pas, je peux pas. Un petit café, un petit thé. Je suis en plein live. Ah si. Ça va, merci. Eh, putain, vous avez une belle vue. Hein. Eh, c'est vrai qu'il y avait une prise d'otage là. Attendez. Je sais pas encore, on va avoir des... Je sais pas encore, monsieur. J'ai pas encore de... Ah ouais, il est où le flic, quoi. Reste avec lui pour un sans flic. Il est avec moi. Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, le flic? Je sais pas, je le surveille. Bon, ah bah, je vais lui demander, là. Oui, monsieur Coleman. Oui. Ça va? Pas trop choqué, voilà. Pas trop traumatisé, là. Autant que faire se peut, je ne sais pas trop. Je pense que j'aurai les idées plus claires demain. Et il y avait... Qu'est-ce qui se passe, monsieur Coleman? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment? On vous a pas entendu. Reste avec moi, on est surveillé. J'ai encore les jambes qui tremblent, donc vous me permettez de rester assis comme ça? Ouais, vas-y, fais. Non. Je vous remercie. Y a pas de problème, Coleman, on est avec vous, on vous protège là. Qu'est-ce qui s'est passé?